Bonjour et bienvenue sur Comme d'habitude Gaming pour un nouveau jour, un nouveau cycle, cycle 14 donc, sur Oxygen Not Included. Not Included. Hop. Ah bah c'est, je suis déjà en rade. Ici, plus de graines. C'est bien, ça vous fait cramer des ressources dont on n'a pas besoin. Très bien en soi. C'est magnifique. Magnifique, vous savez quoi, j'ai presque envie de devenir fou un peu là, nous lâcher quand même. Genre on se lâche. Genre on dit qu'on se lâche. Ça permet genre des folies comme ça. Hop, on se fait un plafond. Incroyable. Je devrais pas d'ailleurs, parce que j'étouffe un peu la lumière du portail, ce serait presque intéressant de garder sa lumière réminiscente cosmique vers un âge nouveau. Juste au-dessus. Ce serait bien. Et du coup, ce plafond est trop... Ah, c'est pas grave. Hop. Démolis-moi ça. Voilà. Et construisez-moi ça. Très bien. Magnifique. Splendide. Voilà, c'est pas beau, ça. Déracinez-moi ce machin, évidemment. Démolir, tue tout ça, tu le démolis aussi, ça aussi, on va baser ce plafond un peu plus haut, ce sera très bien. On va baser ce plafond à hauteur de celui-ci et ce sera magnifique, voilà. Allez go. En plus ça va nous faire un petit peu de stock d'algues, ça va être pas mal. Vous avez récupéré tout ça, ce qui me va très bien. Bon, ça laisse un peu de cuivre ici, mais c'est pas grave, on viendra la récupérer ultérieurement. Récupérez-moi ça. Un peu de métal à ranger. Ah, du fait qu'on n'a pas beaucoup de gars, effectivement, le travail est plus lent, mais on n'a pas non plus de dépenses que je qualifierais d'excessives. Hein. On a beaucoup d'eau, du coup, on n'a pas beaucoup de gars, on en a 5. Ça se passe bien. Pénurie alimentaire, par contre, ça se passe moins bien. Pourquoi pénurie alimentaire? Il y a de la bouffe par terre. Tu m'expliques? C'est quoi l'histoire? C'est quoi l'histoire du projet? Ah, qu'est-ce que tu veux? Allez faire à manger, si tu veux que je te dise. Je te tienne par la main, quoi. Je prenne la bouffe directement, que je la mette dans la bouche. Débrouille un peu. Ça camerde, et puis voilà, ça se passe très bien. Ah, j'ai pas besoin de m'énerver, en plus. Fait. Ah non, c'est pas beau ça. C'est ça. Construction comme on en a jamais vu. Pénurie alimentaire, mais arrêtez de vous foutre de ma tête avec votre pénurie alimentaire là. S'ils veulent manger, ils mangent, ils m'emmerdent pas. S'ils souhaitent manger, ils peuvent manger. Voilà, c'est tout. Moi je suis sûr que cet endroit là, il est magnifique. Je pense que c'est l'endroit de leur vie. Permettre de s'adonner un peu à la sculpture. Voilà. Allez me raser ce machin, tiens. C'est quoi? Démolis-moi cette merde. Démolis-moi cette merde. Oui, mais non. Oui. Du coup, non. Passez là. Bon. Ouais, démolissez-moi ces merdes. De toute façon. Et la merde que c'est. Vous pouvez les raser. Oh bah ça pousse. C'est nickel ces trucs. Voilà. Et vous pouvez recommencer. Incroyable. Incroyable. Je suis un mec trop sympa. Non en fait. Non. Ah, parce qu'il faut d'abord que... ouais sinon. Sinon aussi. Attendez, je teste des trucs. Hein. Calmez-vous. Arrêtez de rager. Démolissez-moi tout ça là aussi. Vas-y, allez. C'est moi ça aussi de la réalité. Ce sera bien. Ça bosse, hein.
Transpire les petits gars, hein. C'est intéressant. Vas-y, fais-moi du pur abstrait. Moi du rêve. Ah. Allez me raser votre truc là. Moche. Rasez-moi tous vos trucs très moches. Oh, ça c'est beau ça. Ça c'est très beau. Ah, moi, je le virer. Là aussi, tu sais quoi, tu peux le virer. On va recommencer plus tard. Oh, il y a des bugs de traces de peinture. Ils sont restés. C'est très mignon. Vous êtes quand même dire que faire de l'art, c'était plus important de planter ou de faire à manger. C'est quand même un gros choix. De me dire que vos réserves de nourriture de votre colonie sont basses. Par cycle. Bah oui, moi je veux bien, mais ils veulent pas ramasser la bouffe, chef. Moi, je... Pas de soucis, hein, mais faut qu'ils veulent bosser à un moment donné. Hein. S'ils veulent pas bosser, on n'est pas aidé. Hein. Ils ont pourtant pas grand chose à faire, hein, en vrai. Rendez-moi ça quand même, juste pour le principe. C'est juste pour le principe pour récupérer l'oxygène de cette pierre qui est juste en train de gazer dans une salle qui ne nous intéresse pas. Voilà. Alors, ici. Il est peut-être temps de mettre de véritables cuisines qui vont bien. C'est-à-dire un nouveau hachoir, premièrement. C'est loin de l'entrée, toujours. Un grill. Et on va prévoir quand même des tables. Je pense que c'est bien d'avoir des tables. Voilà. On a combien d'aigus? 5. Pas bien. Le raccordement au réseau central. Allez, go. Et on est bon. Allez-y, amusez-vous bien. Mur alimentaire. J'ai dit que je voulais bien. Celui-là qui a pas sauté, donc il me livrait ça. Je ça à la place. Je pas. Démolir. Démolir. Et démolir. Voilà, c'est très bien. Voilà. La progression est très lente. Hein. T'as que 5 gus. Et t'abuses pas à faire un concours de vitesse parce que t'es pas rendu. Hein. Pas rendu du tout. Faisons cela. On va décharger tout le dioxyde de carbone en bas. Jaja. Ouais, alors, en vrai, est-ce que t'as vraiment besoin d'aller démolir ça? Démolissez! Ah, fous-le par terre, là. Il se retrouve par terre comme un cake. C'est très bien. Faut arrêter le zèle inutile. Le zèle inutile à souhait est à proscrire. Qu'est-ce que je vais vous coller ici? Je pourrais vous mettre une station de travail intéressante ici. C'est... À côté des batteries. Pour filtrer l'eau polluée. Produit de la terre polluée. Et transforme la terre polluée en fertilisant. La boucle. La boucle serait bouclée. La vase en algues, mais. Non. Pas ce qu'il faut faire. Il faut faire autre chose. Oui, mais quoi? Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Je ne sais plus. Qu'est-ce que je pourrais mettre? Trop grand, mais pas inintéressant, attention. Quelque part, inintéressant.
Je pourrais te mettre toi par ici d'ailleurs et supprimer l'autre là-haut. Ah, on démolit celle-là et on se libère la place. Hein. Ah oui, tu n'as pas de tâche. Faire ça. Continue. Voilà. C'est lequel qui prend du... ok. Oui, c'est ça. Il m'aurait fallu que je mette un deuxième grill aussi. Annule. Annule. Polir. Manger. Deuxième grill. Ici. Hop, lancer courant électrique. Voilà. Mettre une table pour les tables. Ouais. Voilà. Alors ça, tu produis. On continue. Ça, tu n'es plus prioritaire, mais tu produis. Ça, on continue. Voilà. Ça se passe très bien. C'est parfait. Et là, on rentre dans un cercle où on peut commencer à faire entrer du gaz un peu en boucle. Bon, on va s'installer de vraies toilettes avant, etc. Avec un vrai bassin de récupération pour l'eau polluée. Je vais peut-être pas mettre là. Parce que je pense que je vais trop m'exposer à l'oxygène pollué. Et que... Oh, que vois-je par ici? C'est intéressant, semblerait-il. Noyé dans une eau polluée, mais... Des tables. Des chaises. Visiblement, il se passe des choses. Que je vais peut-être mettre gaz naturel. Ok. Gaz naturel, hein. Le chlore, je sais vraiment pas à quoi il sert dans ce jeu. Soit il est considéré comme un gaz naturel ou je ne sais quoi, mais sinon, je vois pas à quoi il sert. Allez, virez-moi ça, ça vous fait plaisir. Hein. Eh, c'est du charbon, ça. Vous voulez pas me le ramasser, le charbon, et le ranger à sa place, par exemple? Et comme ça. Oxygène, on est comment là? On est quand même pas dingue en bas. Oh, des trucs comme ça. Et du coup... est-ce que ce serait abusif si genre je prenais une grosse place? Alors ici, il y a quoi? Oxygène. L'hydro, attention, on rentre dans l'hydrogène. Ça me paraît dangereux. Je pense que définir un petit cul de base ici, et genre on va pas plus loin, c'est bien. Je pense. Ce qui veut dire, si on construit, plaque. On n'a pas un bac super profond. Oh, c'est trop ça. Voilà. Avec une double épaisseur. Ouais, mais est-ce que j'ai envie de le double épaissir à l'intérieur? Parce que là, du coup, il y a presque plus de place. Voilà. Est-ce que plus. Ça a déjà une bonne contenance. On va pas se mentir, ça a déjà une belle contenance. C'est déjà bien. C'est déjà très bien pour ce que c'est. Tu peux descendre là. Tu peux descendre là, mon petit bonhomme. Et on va pouvoir commencer à se lancer dans des constructions intéressantes de type laborantine. Sas mécanique, bloc liquide et gaz. Maintient la pression entre les zones, assigner les permissions d'accès au dupliquant pour les zones restreintes. Fonctionne comme un sas manuel lorsqu'il n'y a pas d'énergie. Ce qui est parfait, puisqu'en plus de ça, ça va nous donner les douches, l'évier, la dalle grillagée, les toilettes, enfin tout ce qu'il faut quoi. Tout ce qu'il faut pour exploiter un bassin. Ah oui, excusez-moi, et il faut que je vous fasse faire ça. Sinon, vous ne pouvez pas travailler, évidemment. Voilà, cela va de soi. Il a balancé de l'eau en bas, tranquille. Pouf, l'a vu tomber. Petit plouf, tranquille. Ouais. Je sais pas pourquoi l'eau de... Ça par contre, vous voyez, je trouve que c'est un peu une aberration. C'est-à-dire qu'on a toujours, même chez vous, vous devez avoir une couche de dioxyde de carbone qui se forme au-dessus de l'eau. Alors on pourrait se dire, oui mais c'est tes gars qui... C'est des gars qui créent cette atmosphère polluée, quoi. Parce qu'ils viennent respirer dans le coin, avec le dioxyde de carbone, c'est plus lourd, etc. Oui, mais c'est absorbé par l'eau, la vase et toutes les conneries, enfin. Et des vies carbonées, non? Je crois. Je crois, je suis pas sûr. J'ai un doute, monsieur.
crois que c'est boosté avec de la lumière, ça. Je vais refaire le test. Tac. Je vais claquer ça. Ah ouais, je vais claquer là, comme ça. Ben dingue. Je vais le câbler tranquillement, juste là. Ouais, ça me paraît bien. Réellement, il aurait fallu que je grillage cette zone là. Du coup, en fait, son carbone à lui se déverse là, il faut qu'il passe la dalle et qu'il tombe en bas. Et surtout, ça permettrait vraiment à l'oxygène de monter et de eux baigner en permanence dans le dioxygène, dans le dioxyde de carbone. Jusqu'à bien sûr qu'on puisse mettre de véritables structures en place, de type qui pompe le dioxyde de carbone. Je me lance pas trop vite sur la technologie pour la très simple et très bonne raison que je la maîtrise pas bien. Je suis vraiment dans les débuts du game. J'avais espéré que l'un d'entre vous me guide un peu, justement. Le LP. Mais vous avez l'air aussi paumé que moi, donc tout va bien. Petite dalle. C'est bon, on peut l'atteindre là. Avec la petite dalle. On l'atteint. Genre les mecs, on l'atteint. Niveau 9, la priorité de cette dalle. Merci. De niveau 9, ce truc-là aussi. Ok. Manque de respect complet. C'est la nuit noire et obscure. De l'obscurité et de la noirceur. Bien, pendant qu'il refuse de travailler, si je me servais un petit vin rouge de Sardaigne, que je vous dis que ça. J'en ai fait quoi de cette bouteille? Allez. Typique rat. Voilà. Petit pif là. On va être bien. Qu'est-ce qui fait 5,5 de décor? J'ai pas vu. Ah, une dalle, c'est 5,5 de décor. Genre, c'est joli, une dalle. Ok. Concept. Concept. Bon, après, si vous me dites c'est joli, je vous crois. Hein. Alors, on a déverrouillé d'autres trucs. Qu'est-ce que j'ai déverrouillé? Ah oui, la fameuse dalle grillagée que je devrais mettre ici. Mais que je ne vais pas faire. Parce que j'aime bien faire des erreurs. Ouais, j'aime bien, ouais. C'est un choix. Franchement, si je pouvais passer dans mon émission, c'est mon choix pour expliquer que effectivement, je devrais mettre des dalles grillagées, mais que finalement, je préfère ne pas en mettre. Je le ferai. Je le ferai. Bon, là, ce qui se passe, c'est que je vous le fais pas. Mais voilà. Ah, sinon, je m'aime. Là, je l'ai déjà dit. Voilà. Un truc très important comme ça dans Bobs. Le stockage commence à être un petit peu plein. Comment ça se remplit hein. Ça commence. Hein. Les mecs, ils ont du boulot en vrai. Hein. Lui, il a pas de taf. Pourquoi? Parce que j'ai pas lancé le truc genre en continu de poux, quoi. Voilà. Ouais. Et là, le problème, en fait, c'est que nos gars vont être en perpétuellement... Est-ce que toi, du coup, je peux te donner genre une priorité ultra haute, quoi? Ultra haut. Genre. Pourquoi juste. Ah ouais, voilà, c'est ça. Ça, c'est un truc qui me vénère avec ce jeu. Pourquoi tu veux juste mettre des barres nutritives là-dedans? C'est pour ça qu'il laisse tout par terre, bande d'abrutis. Alors là-dedans, je voudrais. Tout. Et quand je dis tout, bah c'est tout. Voilà. Et vous me le remplissez, ce machin. C'est genre urgent. Enfin, peut-être un peu moins urgent. Mais urgent quand même. Voilà. Nourriture non réfrigérée. Oui, bah je suis au courant, mais c'est en attendant. Bah, on va te la réfrigérer, ta bouffe. Calme-toi. Ça va arriver à un moment donné. D'ailleurs, ça va arriver, oui. Et quand? Il va falloir que je démolisse la cantine. La cantine, on va la faire en dessous, ailleurs, mais la cantine ne peut plus subsister dans ces locaux-là. Ce n'est plus possible. Je pense qu'on va démolir ce siège. De toute façon, vous ne mangez pas tous en même temps, puisque vous m'embêtez. On va faire une chose qui est très importante, je pense.
C'est Petite Lumière des Familles. Petite Lumière des Familles. Petite Lumière des Familles, c'est toujours cool. Voilà. Et j'ai un nouveau truc. Ah oui, on vient de débloquer l'évier. D'accord, très sympa. Et vous me démolirez ça. Vous allez me câbler ça. Ici, ça va être le truc réfrigéré. Le frigo qui, je crois, devrait arriver aussi avec. Non. Non, je vais pas fumer le bon shit qui allait avec. C'est lequel, le réfrigérateur? Réfrigérateur, ici. Je vais faire hydroponique et transformer l'eau en fertilisant. D'accord. Quand une graine est posée dessus. J'ai l'impression que rien n'utilise du fertilisant, c'est en train de m'énerver là. Qu'est-ce qui utilise du fertilisant? Je veux savoir. Dites-moi tout. Sinon je m'énerve. Un truc, hein. Il y a une histoire, croyez-moi bien, derrière il y a une histoire. Oui, ça c'est des sas pour évacuer l'eau polluée. J'ai pas encore lancé les hyper-infrastructures, on est dans les problèmes alimentaires. Réglez-moi les problèmes alimentaires tout de suite. Ah, je pense que c'est important. Que les gens sachent. Ah, ça c'est très moche. Démolir. Démolissez-moi ce truc moche. C'est déjà plein. C'est déjà plein. Les quins, il est plein. C'est déjà le bazar. Je pense que bon, pareil. Genre de mec, moi j'abuse des lumières. J'aime bien en coller un peu partout. Ouais, je suis comme ça. Vraiment, c'est toujours le truc qui m'a branché. Produit assez d'oxygène, on est bien. On est bien, on est bien. C'est quand même très beau. C'est je me lance des fleurs, je sais, mais c'est très beau. Désolé, fallait que je le dise. Vous êtes débordé de boulot à cause de la bouffe, quoi. Parce que vous devez faire de la bouffe en bout. Tout est stressé. Tu vas arrêter de faire cette nourriture moche en boucle. Parce que maintenant, on sait qu'avec la réserve alimentaire qu'on a au-dessus, on a ce qu'il faut. Voilà. Oui, d'ailleurs, le mec qui regarde comme ça, rien qui le choque, tu sais, tranquille. Virez-moi ça. Vous pouvez virer ça. Voilà, c'est pas magnifique ça. Magnifique. Magnifique. Oh, ok. Et... nourriture non réfrigérée, nouvelle déclin sont disponibles, ok. Voilà. Manque de ressources, lequel? Oui, oui, non, mais ça c'est normal. Oui, c'est vrai qu'on va être saoulé maintenant en boucle. On va être saoulé en boucle, ce genre de truc. C'est bien, il commence à ramasser un peu, il commence à ranger un peu. C'est pas vilain non plus. J'ai presque envie d'annuler les ordres qui sont là pour leur demander de se bouger, de ranger en fait. D'ailleurs, annulez-moi cette partie là pour l'instant. Parce que lui, tant qu'il y a de l'oxygène, je voudrais pas que ça commence à accumuler du dioxygène. Dioxyde de carbone. Ce serait pas cool. Et en bas, tu sais pas pourquoi ils veulent pas y aller. Non, ils ont pas envie. Ils sont dit en bas, non. En bas, ça a l'air d'être vachement bas. Ok. 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 Faites-moi de l'art et du cochon. Entraînez-vous. Montez des points de créativité. J'y crois, moi. Je pense que vous pouvez faire des trucs absolument magnifiques. Pff, on arrive sur la fin, ici. Donc. Ah. Est-ce qu'on est déjà dans le... gène pollué nouveau biome, là? Ah, ouais. Bénéficie déjà de la vase qui nous apporte un petit bonus dégueulasse à tout ce qu'on a. Génial. Trop bien.
C'est là où en fait va vraiment falloir isoler. Parce que vous avez vu jusqu'ici, j'ai pas mis de porte, ni de sas, ni quoi que ce soit. C'est vraiment dans ce niveau de biome là où il va falloir commencer à verrouiller parce que tout ce qui est vase génère de l'oxygène pollué. Qu'est-ce que... Oui, oui, c'est fini. Regardez-moi ça, c'est pas beau. Paf, petit réfrigérateur. À piquer des tétons. Le labo. Le labo, on va le laisser souffler un peu. Hydrogène. Alors moi, enfin, voilà, faut m'expliquer. Là, moi, j'ai besoin qu'on m'explique. Pourquoi, dans mes cuisines, j'ai de l'hydrogène qui se crée comme ça. Alors, comme ça. Osef, tiens, vous... Là, de l'hydrogène. Si t'en veux pas, bah tiens, vas-y, prends-en quand même. Ils sont tranquilles. Hein. Finir les choses. Hein. Oxygène, oxygène. Voilà, bouffe par terre, voilà. Quelqu'un veut bien me faire ce réfrigérateur, s'il vous plaît. Ah. Voilà. Quelqu'un veut me faire ce réfrigérateur, s'il vous plaît. Genre en urgence. Très bien. Genre tu le fais, mais tu fais aussi les câbles. Ah. Je pense que c'est important de ne pas s'occuper des câbles. C'était vachement important. Alors, j'ai besoin que tu mettes là-dedans uniquement... uniquement la barre de bûche free et le lycéloaf et les cornichons. Non, pas le lycéolaf, juste les cornichons. Voilà, c'est ça. Et c'est dans un autre, alors, démolis-moi celui-là, que je vais mettre les produits de base, genre barre de bûche et machin quoi. Alors attendez, je remets ça. Qu'est-ce qu'on a gagné? Ah, le distillateur machin, ok. Câble électrique déjà. Hein. Tire un câble de plus, voilà. Et on peut aller. Petit réfrigérateur par là, s'il vous plaît. Vérité, éteindre dessus, évidemment. Vous allez me construire en urgence, grouillez-vous les miches. Ça va vite me fatiguer. Voilà. Et dans celui-là, vous allez mettre uniquement donc la barre de mûche non free. Et là, et le lycéloaf, qui je crois, si je dis pas de bêtises, est le nom de ce truc. Voilà, c'est ça. Ah, c'est bon. Oh bah, ils vont pas me faire le truc. Hein, hein. Vous allez pas me le faire. Hein. Ah, ce câble électrique. Priorité 9. C'est moi ça, s'il vous plaît. Merci, ce serait bien aimable à vous. Vous pouvez retourner vaquer à vous occuper. Vos occupations. Ils n'ont plus besoin d'être en priorité 9. Vous pouvez remettre en priorité 5 standard. Voilà. C'est très bien. Et qui est l'autre cornichon? Ah, il en vidait parce que lui aussi a une priorité ultra élevée. Oui, évidemment, j'avoue. Du coup, lui, l'intérêt, c'est d'enlever de là. La barre de mûche free.
le cornichon et le lycée Loaf, puisque ça va dans leur réfrigérateur respectif, ce qui me permettra d'avoir une idée bien plus claire de ce qu'ils peuvent réellement manger sans s'empoisonner, s'intoxiquer avec des trucs chelous. Voilà. Comme vous pouvez voir, je laisse principalement le lycée Loaf être fabriqué, puisque déjà, un, les plantes que j'ai posées là produisent les poux qui vont bien avec. Et c'est moins horrible que le reste. C'est quoi ça? Ça s'appelle un bug, c'est ça? C'est un bug graphique. Ok, nice, tout va bien. Nice, tout va bien, c'est un bug graphique. Je vais ramasser du poux. Au pire, ça nourrira l'autre petit gros là. Est-ce que je fasse un élevage de hatch à un moment donné? Je pense que c'est étudié pour avoir ta quantité de charbon infini. Un petit élevage de hatch qui va bien. Donc le crabe. J'appelle le crabe. Pote le crabe. Ici c'est plutôt clean, hein. Ouais. Ah que. Paf. Paf. Ah, fais-moi ça. Prioritaire. C'est très bien. Il est toujours en priorité 8, mais ça vous empêche pas, à première vue, de complètement le zapper. Tranquillement. J'ai l'impression que... Il n'y a plus de bon char, les gars. Vous ramassez plus de charbon ou... Vous êtes dit... on en a plus ou... C'est du bon char. Du bon char. Le bon char. Mais non, mais ça aussi, c'est du bon char. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Laissez charbon tranquille. Je l'ai déjà dit. Paf, K, 9, 1. Ah bah c'est ça. Saoulé. J'aimerais ça, j'ai besoin de voir un peu ce qu'on a en charbon en réserve là. Bougez-vous là. Tiens, 9, ça aussi, virez-moi ça là. Ah, ramasse-le. Ah. C'est le en priorité. 9, virez-moi tout. Voilà, vous mangerez plus tard, vous ferez vos conneries plus tard là, virez-moi ça. Voilà. Ok, 9. Pareil, virez-moi ça là. Alors, je viens de me manger un petit pouls tranquille. Oh, bon app, hein, de toute façon. Normalement, on est censé en avoir. Alors, ok, 9. Moi ça. Ok, ouais, ramassez tout. Avec vos conneries. Hein. Ouais, ramassez vraiment tout là. Ah non, vous êtes tellement en train de me saouler, cette base est tellement dégueulasse, il y en a partout qui traîne là. Vous êtes pas débordé non plus là, il y a pas de recherche. Et vous avez rien d'autre à faire qu'à manger, nettoyer vos chiottes et vous laver les mains quoi. Ramasser un pouls de temps en temps, vous faire manger, ça s'arrête là. Rien n'est fait quoi. C'est honteux. Regardez comment va se dessiner ce bassin, excusez-moi. J'étais perdu dans mes pensées, j'étais en train de me dire, annule-moi ça en fait. Enlève ça, au cas. En fait, tu mettras une échelle comme ça. On va aller directement aller mettre une pompe au fond. Ça sera réglé. Là, vous avez tout pompé comme flotte là-haut. Hein. Incroyable quoi, ce que vous avez pompé. Ce qui se passe, en fait, c'est quoi le problème? C'est que j'ai mis une priorité élevée sur un truc, j'ai pas fait gaffe, j'ai zappé tout ça, ou vous avez décidé juste de me saouler à l'infini et pas plus loin? Ils construisent plus, ils font plus rien. Bah écoutez, de toute façon, nous on va s'arrêter là, cycle 21. Je vous remercie, c'était Knarfank sur Comme d'habitude Gaming, et je vous dis à la prochaine, ciao!